Bonjour, bonjour. Ce matin, nous faisons une impression DTF format A4. Donc, je vous montre comment ça se passe. Vous voyez là, l'impression est en train de sortir. Alors, j'ai conçu simplement là dans le logiciel. Je vais vous montrer simplement comment on positionne aujourd'hui. Vous voyez là, on a la dimension. Donc, lorsque vous voulez positionner une image, vous venez simplement sur l'image comme ça. Vous avez la possibilité de déplacer l'image. Vous voyez? Là. Mais le plus important, c'est de mettre l'image en format A4 côté largeur. Il s'agit de 0 à 21. De 0 à 21 là. Et la longueur qui s'étend juste de 0, le point 0 là, jusqu'à 29. On ne tient pas compte du carré rouge qui est là. On tient simplement compte de notre dimension du format A4 qui est à partir du point orthonormé 0 à 21,6. Et de 0 à 29 ici. Donc, ne positionnez pas l'image dans ce carré comme ça. Ne positionnez pas dans ce sens non plus. Et seulement vous prenez, vous mettez là, voilà, de 0 à 21. Vous voyez que l'image est bien placée. Alors, on vient là au niveau de l'écran. On a le mode miroir qui est là. Là, c'est le mode miroir. Lorsque je touche le mode miroir, regardez, il y a un changement au niveau, voilà, de l'image. Et juste là, il y a la rotation pour pouvoir bien disposer notre image. Et ensuite, vous passez sur Print qui est imprimé. Voilà. Et à partir de là, vous avez la possibilité de lancer votre impression. Alors, quand on vient là, on met là à 100%, on met le nombre de copies à 1, 1, 1, 1. Et lorsque vous mettez le nombre de copies à 1, 1, la première chose à faire, on met copie, on coche là White Highlights, on vient sur Color Plus White. On coche là et voilà les 90 nozzles sortent. On met print. Quand on met print maintenant, on lance. Et lancer sa charge et ça va donner l'impression que vous avez vue au début de la vidéo. Merci.